Good morning, allez, dan les susres aujourd'hui le Lunishmat, mon rêve Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, si vous souhaitez, aussi dès une prochaine étude de Mishnah, qui est la vie éternelle, nous étudions Masechet Menachot, Perek Vav, Mishnah Zayin, Haomer Aya Menubé Bishlosh Esre Napar, Ushta Lechem Bishtem Esre, Velechem Apanim Bachat Esre. Rabbi Shimon Omer, Lo Haya La Kitzba, et la Solet Menupa Kol Tzorka Haya Mevi. שנאמר ולקחת הסולת ואפית אותה עד שתהה מנופה כל צורקה. משנה, très simple. Je traduis tout de suite, on explique le principe ensuite. Haomer haya menupé b'shlosh esre napa. La minchat haomer, donc le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah, le deuxième jour de Pessah, où on apportait le fameux korban haomer, quand on va commencer à compter le haomer justement. Alors, on avait déjà expliqué qu'il faut apporter une minchat seorim, une oblation d'orge, frais, encore tout frais, on est encore à la période, on vient à peine de cueillir l'orge, il est encore donc très humide. Et toute la nuit, il y avait tout un procédé pour le faire sécher, qui est expliqué dans cette gemara, dans Menachot, à cet endroit-là, pour pouvoir le sécher et ensuite le moudre. Une fois qu'on l'avait moulu, alors il fallait ensuite le tamiser, pour en récupérer la fine fleur, la solette, le blé le plus, la farine la plus pure. Pour ça, la Mishnah m'enseigne à Omer et à Menopé Bishlosh Napa. Le Omer, il fallait le tamiser avec 13 tamis, chacun avec des trous un peu plus épais. Comme ça, il va y rester plusieurs impuretés, plusieurs écorces, plusieurs petites peaux, je ne sais pas exactement combien, mais en tout cas, on prenait d'abord un tamis avec des trous relativement épais. Et on tamisait, et ce tamis, il commençait à retenir d'abord les écorces plus épaisses. Après, on prenait un tamis un petit peu plus fin, et ainsi de suite, jusqu'à quand on allait arriver, on allait récupérer la fine fleur, la farine la plus pure et fine, après 13 tamis. D'accord ? 13 tamis, 13 épaisseurs de tamis, donc deux trous de tamis. Ushta lechem bishtem esre. Et les deux pains de Hatzeret, de Shavuot, il fallait le faire avec 12 tamis. Velechem apanim, be'achat esre. Et les 12 pains du Shabbat, alors eux, il fallait, donc on pouvait le faire avec une farine qui était plus sèche, apparemment, je ne sais pas précisément pourquoi, c'est pas expliqué, à mon grand regret d'ailleurs, peut-être que c'était évident à l'époque où les gens ils avaient un contact beaucoup plus direct avec le blé et avec la farine, c'était une évidence que malheureusement, nous les ruraux, on comprend rien du tout à ce qui est écrit. En tout cas, lechem apanim ba'achat esre, le lechem apanim, donc les 12 pains du Shabbat, il fallait les tamiser avec 11. D'accord ? Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, lo haya la kitzba. Rabbi Shimon enseigne qu'il n'y avait aucune limite, aucune mesure. Le Bartanoï précise que ça porte sur tout. Aussi bien dans ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente, à savoir combien de blé à l'état brut pour en obtenir de la farine fine. Tout ça, toutes les mesures qu'on a été données, c'est tout relatif, aléatoire, selon l'année, selon la production, aucune règle. En fait, moi j'ai une seule chose, que toi tu m'amènes un korban à Omer avec de l'orge bien moulu et bien tamisé. Tu veux le faire avec un tamis, avec deux tamis, avec une quantité même de un issaron solette, un issaron pour une céa, ou fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est qu'à la fin, tu m'apportes un issaron de fine fleur bien propre. D'accord ? Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, le Ayala Kitzba. Il n'y avait aucune limite. Et là, a priori, même aucun problème. Et la solette menupa kol tzorka yamevi. Il fallait juste te débrouiller d'apporter de la solette. Alors le mot solette, ça se traduit en hébreu moderne, c'est la soumoul. Mais je crois que c'est pas la même chose, parce que la soumoul chez nous, elle est plus épaisse. Alors que là, dans la Torah, on fait allusion à la plus fine. Donc de la farine bien tamisée, kol tzorka, parfaitement, yamevi devait apporter. Chez Neymar, comme nous dit le verset, la carta solette va fitaota. Tu prendras de la solette et tu la feras cuire. Donc je t'ai demandé de prendre la fine fleur. Ad chitehe menupa kol tzorka, jusqu'à qu'elle soit bien tamisée comme il se doit. Et chacun fait selon son procédé. On ne va pas te fixer de limite. Avec tes tamis électriques, aujourd'hui, on peut faire ça avec un seul tamisage. Tu as récupéré déjà, tu as supprimé plein d'écorces. Ouais, à l'époque, c'est vrai qu'on le faisait manuellement. Vous comprenez bien que. Ici, il va y avoir plein d'impuretés, alors ça va rapidement boucher les trous, ça va être impossible de tamiser. Donc, il fallait partir en progressant doucement. Mais
Voilà, ça c'est l'avis de la Mishnah. En théorie, on a déjà fini la Mishnah, mais comme on a, pour la prochaine Mishnah, une Mishnah relativement longue, c'est-à-dire, on va juste introduire la première, une notion, à la limite même, je le fais même pas dans les mots, je vous explique juste une notion qu'on va voir, comme ça, j'aurai besoin de revenir dans la prochaine Mishnah. À notre époque, toutes les mesures sont décimales, et on fonctionne avec des virgules, c'est-à-dire que quand je veux prendre un kilomètre, alors, je vais vouloir faire... Premièrement, que ce soit les monnaies d'argent, ou que ce soit les poids et les mesures de distance, c'est toujours, on va toujours fonctionner en décimale. On va avoir le mètre, 100 fois va faire, 10 000 fois va faire 1 km. On va avoir les grammes, 1000 vont faire 1 kilo. Et comme ça, ainsi de suite, on va monter jusqu'à la tonne. Tout est décimal et c'est très facile. Et on fonctionne aussi avec des virgules. Lorsque je veux acheter 1 demi kilo ou 600 grammes, et ben je vais acheter... Imaginez qu'on n'avait que le kilo, on va dire ben, tu vas acheter 0,6, tu vas acheter 2,5 kg, tu vas faire 2,5 kg. À l'époque, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé au système décimal. Ils ne fonctionnaient pas avec des virgules, mais ils fonctionnaient plutôt avec des mesures et des sous-mesures et des sous-mesures. C'est pour ça qu'on se retrouvait dans des situations en fait, où il fallait toujours fragmenter les grosses mesures en plus petites mesures qui avaient un autre nom et où 1 correspondait à 4, il fallait aussi... une référence face à quelque chose, si c'était un grain de blé, si c'était une mesure de grain de blé, comme ça c'est une convention qu'on peut facilement vérifier, qu'on peut pas rouler les gens. C'était tout un autre système de mesure en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve justement avec des EFA, CA, CAV. Au lieu d'avoir une EFA qui va nous faire 10 CA et 10 ou 10 log, et après l'autre ça va nous faire 10 betim, et comme ça tout est décimal et on va te dire d'apporter 2,5 log, et tu comprends ce que ça veut dire. Non, on fonctionnait pas comme ça, on va te dire d'apporter 2 log et 3 et 2 caves. Ouais, il fallait toujours fonctionner avec des... Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé. C'est d'ailleurs très fatigant quand on étudie la Gemara et qu'on se retrouve avec des calculs de l'époque. Quand par exemple il fallait calculer des mètres carrés, ils n'avaient pas, la racine. Donc ils fonctionnaient avec des bandes. Ils te disaient, ben, tu sais, quand tu vas avoir un carré de 5 mètres sur 3 mètres, ça veut dire que tu vas avoir 15 bandes. Alors viens, on va commencer à te dire que tu vas pouvoir prendre... Tu vas prendre des bandes, tu vas les découper en morceaux et tu vas... C'est comme ça, les calculs, c'est très pesant et c'est très par tâtonnement, un peu comme ça. D'accord, je ne sais pas qui a été le bon cerveau qui a tout simplement dit, viens, on va fonctionner en décimal. Le fait est qu'en tout cas, c'est la sorte. Il y a maintenant, ça c'était général. Plus précisément, hein, ce qui se passe, c'est qu'on avait des mesures. Mais qu'au fil du temps, ces mêmes mesures, on les modifiait, on les rajoutait, on les faisait plus grandes. Imaginez... Pour vous un peu illustrer le truc, imaginez que on va vouloir changer les distances, faire en sorte, on va parler de la limitation de vitesse, limitée à 80 km/h. On va vouloir augmenter la limitation de vitesse, mais on a un problème psychologique qu'on ne veut pas dire aux gens qui peuvent dépasser les 80 km/h. Qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le kilomètre. C'est tout simple. On va faire qu'un kilomètre va devenir 1 km/h. On a augmenté avec un dixième par extérieur. Donc. On a rajouté un petit dixième, ça signifie qu'en réalité, les gens vont leur dire, bon, vous ne dépassez pas les 80 km, mais en fait, les 80 km, c'est devenu 90 km. Donc en fait, ouais, vous comprenez l'idée? Eh bien, c'est le principe qui s'est passé au fil du temps. Il y a eu des mesures que la Torah nous parle de mesures, de EFA, de CA, et ouais, c'est des mesures qu'on retrouve des fois dans les textes de la Torah. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara les Midot Midbariot, les Midot du désert. Quand ils sont arrivés ensuite, nos ancêtres, à Jérusalem, à Yerushalayim, alors ils ont augmenté les midot. Ils ont rajouté un sixième qui en réalité un cinquième. Ça, c'est encore un autre classement de tête que je vous expliquerai plus tard. On va dire qu'on avait par exemple une certaine mesure, on avait un litre. Par exemple, on avait une CA. Ouais, c'est justement le cas de la Mishnah. On avait une EFA. Peu importe. Une CA, par exemple. Alors... On va dire que la CA, on va vouloir l'augmenter. Initialement, une CA coûtait 10 shekels. Eh bien, on va vouloir faire en sorte que la CA va devenir plus grande comme ça. Psychologiquement, les gens, ils vont toujours donner une pièce de 10 shekels pour acheter une CA. Ouais, on ne peut pas tellement bouger de ces conventions. C'est un peu... Une CA, d'abord, ça évite les fractions de monnaie. On ne peut pas dire que je vais te vendre une CA avec, tu vas me rajouter un pound yuan et une pota. Ça ne va pas fonctionner. C'est un peu comme les magasins tout à 10 shekels, c'est à peu près la même notion. Il fallait pour un dinar obtenir une CA de blé, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on va vouloir faire, maintenant, on va vouloir augmenter le cours pour des raisons économiques. Un système qu'ils utilisaient fréquemment, c'était d'augmenter les mesures. On va rajouter un cinquième. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une certaine mesure qui faisait à l'époque
5 plutôt. Ouais, une époque qui faisait 6, 6, une mesure de 6 CA par exemple, 6 CA, on va vouloir augmenter que maintenant, voilà, on va rester par exemple sur la FA, une FA c'est 3, voilà, une FA c'est 3 CA. C'est compliqué parce que il y a plein de paramètres, mais c'est pas grave, je vous explique très grossièrement. On va prendre, imaginez qu'en fait une FA c'était 6, il y avait 6 CA par exemple, on avait une mesure qui s'appelait trucmuche 6 CA. Eh ben, on va vouloir augmenter cette mesure. Alors on va faire, en fait, on va faire en sorte que les 6 vont devenir 5 et on va rajouter un cinquième supplémentaire, un sixième supplémentaire, un cinquième. Ça dépend comment on regarde, est-ce qu'on regarde selon d'où on vient ou d'où on arrive. Je m'explique. C'est ce qui s'est passé justement avec les Midot Midbariyot. On a eu les 6 000. Quand on avait cette mesure que j'ai appelée la trucmuche qui faisait 6 CA, eh ben, quand on arrive à Jérusalem, on a voulu diminuer, on a voulu faire que la CA elle va devenir plus grande que ça. On va prendre les 6, on va les transformer en 5 et on va rajouter un cinquième de ça qui va être le sixième. C'est ce qu'on va appeler le sixième millébar ou millégave. C'est fréquent aussi dans la Torah, comme nous dit de rajouter un cinquième ou un sixième. Des fois, il faut rajouter un cinquième à partir de ce qu'on a. Et des fois, bon, va falloir rajouter un cinquième. Ça veut dire que quand tu vas avoir le résultat final, ce que tu auras rajouté, ce sera le cinquième. En réalité, ce sera le quart. Vous avez compris le principe? Il va falloir que ce que. Alors là, c'est le même principe. On avait initialement la CA, la mesure Yerushalmite, par exemple, du Midbar, du désert, où elle mesurait 6. On est arrivé à Jérusalem, on a dit, ben, tu sais quoi, on va rajouter sur les mesures, on va faire que la mesure, elle va devenir encore plus grande. Cette même mesure, là, trucmuche, qui faisait 6, eh ben maintenant, on va faire qu'elle va toujours faire 6, mais elle va devenir plus grosse. On va faire que les 6, ça ne devient que 5. Tu vas prendre maintenant un cinquième de ce qu'il y a là, tu rajoutes en plus, ça va être lui le sixième. C'est le principe. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des midot, que la Torah nous dit de prélever. 1 Assyrite à Efa, d'ailleurs, 1 Assyrite à Efa par exemple, tu prends la mesure de 1 Efa, qu'on a fait le calcul ici, en réalité ce n'est pas un calcul exact. Parce que, dans le cours précédent, on avait dit que justement, une Efa, Assyrite à Efa, c'est un dixième de Efa, c'était l'équivalent de 43,2 œufs. Ce n'est pas exact en réalité, parce que ça tient compte que c'était à l'époque, lorsqu'on était dans le désert, mais depuis on a rechangé la mesure, donc ça va changer les coefficients. C'est un peu le principe général. Quand on apprendra à Bezrat Hashem la prochaine Mishnah, on essaiera d'être très concis, d'aller droit au but. J'avais juste un intérêt de vous expliquer l'historique un petit peu des mesures de la Torah et de Jérusalem. Comme ça, quand on va lire la phrase, on va pouvoir le lire un petit peu plus vite. Bezrat Hashem, pour le moment, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Dormez très bien la nuit prochaine parce que le cours de demain, il peut être un peu hard. On va essayer de le faire très light, sans entrer dans trop de détails. Finalement, c'est qu'une petite phrase à l'intérieur de la Mishnah. Le but de la Mishnah, c'est pas de parler de ça. Mais au passage, on a une petite phrase qui va un peu être complexe. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Hatzlacha kol tov, salam.